Hey, what's up, ma c'est Léa, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Wouh! Aujourd'hui je suis grave excitée de filmer cette vidéo parce que, bah, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de Lucas, genre le film Lucas. Je vous ai trop, je pense, énervée, embêtée sur Instagram en vous mettant en story tout le temps des photos, des dessins de Lucas. Mais c'est que ce film, genre, j'ai trop aimé, vraiment. J'ai beaucoup aimé ce film et c'était évident pour moi que je tourne une vidéo sur ce film, que je vous donne mon avis. En plus, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une vidéo où je vous donne mon avis sur quelque chose. La dernière fois, c'était sur le premier épisode du drama Touch My Heart. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez dans le petit i. Voilà. Donc, allez la voir après cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. D'ailleurs, il faudrait que je regarde l'épisode 2. Parce que je l'ai toujours pas regardé en fait. Ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé des dramas. Mais en ce moment ma priorité c'est Once Upon a Time, vraiment. Donc ça va attendre un peu. Mais en tout cas, aujourd'hui on va parler de Lucas. Donc on va commencer sans plus tarder parce que là j'ai trop hâte. Et j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai vraiment préparé la vidéo, je pense, comme je le voulais. Et j'ai énormément de choses à dire. Donc c'est parti. Donc Lucas, c'est un film d'animation de chez Disney Pixar qui est sorti le 18 juin 2021 sur Disney+, parce que bah à ce moment là je crois les cinémas ils n'étaient pas encore ouverts, donc du coup bah pas pu passer au cinéma. Donc il est disponible que sur Disney+, donc si vous n'avez pas Disney+, bah il a été réalisé par Enrico Casarosa, si j'ai mal prononcé, sorry. Donc il dure au total 1h et 36 minutes. En soi ça va, hein, comme 1h et 36 minutes, ça va en vrai. Du coup on embarque en pleine Italie et plus précisément dans un petit village du nom de Porto Rosso. Donc c'est un petit village côtier de la Riviera italienne. Je mets trop l'accent, c'est horrible. Donc Lucas est une créature marine qui vit une vie assez simple jusqu'au moment où il commence à s'intéresser au monde en haut, et en l'occurrence la vie terrienne. Mais sa mère lui interdit formellement d'aller s'aventurer en haut pour lui éviter tout simplement tout danger. Mais avec les nombreux objets humains qui tombent au fin fond de l'océan et sa rencontre avec son nouvel ami Alberto, ça va être très compliqué de pas désobéir à sa mère en fait. Et bien sûr c'est ce qui va se passer. Oupsie, pardon. Donc Alberto c'est une autre créature marine, donc il est comme lui littéralement. Et l'une des spécialités de cette espèce en fait c'est de prendre l'apparence, de prendre une apparence humaine en sortant de l'eau et lorsqu'ils sont pas mouillés en fait. Donc dès qu'ils se retrouvent à la surface, qu'ils sont plus d'eau sur eux, ils commencent à prendre une forme humaine. Et si s'ils se mouillent pas tout simplement, s'ils se prennent pas de l'eau en pleine figure ou sur eux, ils gardent cette forme humaine. Voilà, ils reprennent pas leur forme habituelle en fait. Donc Alberto, lui qui est habitué à vivre dans le monde en haut, va faire découvrir à Lucas la vie sur Terre. Tout simplement. Donc on part réellement sur une histoire d'amitié où dans le cadre de ce film, tout simplement, il y a un secret à cacher, un secret très lourd. Et il faut pas se faire attraper, il faut pas que les gens sachent que Lucas et Alberto, ce sont des créatures humaines, parce que en fait, à la surface, enfin sur Terre, les gens en ont entendu parler et ont très peur des créatures marines. Et justement, l'une des activités des pêcheurs, c'est justement d'aller attraper ces créatures. Donc voilà, et en plus si vous arrivez à attraper une créature marine, on gagne de l'argent quoi. Mais ce secret va pas être si simple à cacher à partir du moment où ils vont commencer à rencontrer de premiers humains, de premières personnes humaines. Et à partir du moment où ils vont entendre parler d'une compétition qui pourrait leur permettre de réaliser un de leurs rêves, qui est d'avoir une Vespa. Et ouais. Donc cette compétition, en fait c'est une compétition qui est annuelle,
où les enfants, je crois qu'il y a un âge maximum, il y a un âge limite pour la participation, et du coup les enfants s'affrontent autour de 3 étapes pour gagner une certaine somme d'argent, voilà. Et bah, eux ils comprennent très vite que s'ils gagnent, ils vont avoir de l'argent et vont pouvoir s'acheter une Vespa. Donc, leur objectif, participer à cette compétition. Donc, Lucas, c'est vraiment un film qui est doux, qui nous fait voyager. On se retrouve en pleine Italie, on découvre de super beaux paysages. Et on a même quelques mots et expressions italiennes. Et pour bien nous faire rappeler que oui, on est bien en Italie et on se retrouve au final à la place bah, de Luca et d'Alberto. C'est-à-dire que bah, on est vraiment à la découverte du pays en lui-même. Je trouve vraiment l'histoire trop mignonne, vraiment. Et il n'y a pas vraiment de gros méchants. Enfin, il y en a un, mais c'est pas un méchant comparé aux autres. C'est pas un méchant comme les autres méchants qu'on peut voir dans les autres films d'animation de Disney, du coup. Comme, bah, je sais pas moi, Cruella ou. Je réfléchis. Mais c'est pas vraiment un gros méchant. C'est un petit méchant, genre. C'est vraiment un petit méchant. Vous savez, c'est un peu le type de méchant qu'on voit un peu dans les séries. Toujours accompagné de ses deux acolytes et tout. Si je vais prendre un exemple comme ça, du coup, le méchant de Lucas, il s'appelle Hercule. Et si je vais faire une comparaison. Bon. L'exemple que je vais prendre, c'est pas une série, hein, c'est un film, une saga même. Je vais prendre l'exemple d'Harry Potter. Et vous voyez, Malfoy, il est toujours accompagné de bah, ses deux poteaux, genre ses deux acolytes, dont je me rappelle plus du tout le nom. Mais je dirais vraiment que Hercule, en fait, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de Malfoy, en fait, dans Harry Potter. Clairement, c'est ça, c'est... Vous voyez, c'est le genre de méchant qui est là, qui vient, qui t'embête là, qui est là pour te rabaisser, mais c'est pas... Je saurais pas trop comment vous expliquer, mais c'est pas genre le genre de méchant où tu vas avoir un combat de ouf, un truc de fou, etc. C'est vraiment un méchant de bas de gamme, quoi. Disons que quand genre, enfin, il n'y a pas vraiment d'affrontement à proprement parler. C'est plus, il va être là pour bah, rabaisser Lucas et Alberto en mode je vous réussirai jamais à gagner la compétition. Et s'il y a un affrontement, franchement l'affrontement il va être léger et ça va se terminer très vite. C'est pas, ils sont pas là pour en venir à des situations trop critiques. Donc ouais, franchement il y a de la méchanceté mais... Ça n'a rien à voir avec la méchanceté qu'on peut voir dans d'autres films d'animation comme genre Cruella ou encore je pense à Scar ou des trucs genre vraiment en mode ok. Vous voyez un peu le truc genre bah du coup Scar lui il veut à tout prix avoir le trône etc. Là c'est plus en soi en plus que comme je vous l'ai dit c'est une compétition qui est annuelle. Et Hercule, lui, il participe tous les jours à cette compétition et à chaque fois, le mec, il gagne. Donc voilà, et donc là, ils veulent un peu, genre, en mode détrôner Hercule et gagner à sa place. Donc vous voyez, c'est pas genre... Ah, j'arrive pas à expliquer, mais genre, c'est pas un méchant, méchant, quoi. Enfin, il est méchant, mais... C'est genre les méchancetés de... Enfin, quand t'es gamin, quoi. Donc voilà. Si je continue un peu sur les personnages, on a notre petite Julia... Qui est vraiment c'est le personnage vous savez qui est assez gentil qui est très courageuse et qui se donne toujours à fond qui est toujours un personnage très persévérant et qui est toujours là pour aider ses amis. Donc c'est ça c'est vraiment Julia pour la décrire avec quelques mots. Elle est très très sympa genre vraiment elle est toujours là avec Lucas et Alberto à les encourager à les aider à bah enfin à les encourager et les aider à comment dire ça à améliorer leur leurs compétences donc voilà enfin si vous n'avez pas vu le film vous verrez un peu comment est Julia. Puis on a Lucas et Alberto alors eux franchement ils se sont grave bien trouvés et s'apprécient beaucoup et c'est vraiment une amitié une bonne amitié quoi genre
surtout une belle amitié quand même. Le fait qu'ils soient différents, donc le fait que même si personne ne le sait vraiment, à part eux, qui sont des créatures marines, ça les amène dans des situations qui sont assez cocasses et très drôles du coup. Par exemple, je pense à la scène où du coup Alberto il fait découvrir un peu à Lucas les choses un peu à faire ou à ne pas faire sur Terre. C'est un peu genre le truc qu'on apprend quand on est petit, vous voyez, genre apprendre à marcher ou apprendre à faire ceci ou cela, enfin bref, et les choses qu'il faut pas faire. Et il y a un moment où il se retrouve face au soleil, genre il regarde le ciel du coup, et il dit à Lucas, non non, surtout ne regarde pas le soleil. Et après il dit, mais non je rigole, mais bien sûr faut regarder le soleil. Et tout à fait, mais what? Alors qu'on sait tous qu'il faut pas regarder le soleil, clairement, sans lunettes de soleil, mais bon. Ou sinon, on a quoi d'autre? On a... Je vais pas tout spoiler quand même. Enfin, c'est pas du spoil en soi, mais... On a une scène où genre... Lucas et Alberto, ils marchent et ils entendent quelqu'un qui dit à... Je sais plus à qui, mais... qui dit... Va jouer ailleurs, stupido. Et eux, ils disent... Ah, mais c'est une phrase qu'il faut dire, en fait. Enfin, ils pensent que c'est une phrase qu'il faut dire à tout le monde. Et surtout, il faut le dire à tout le monde et tout. Et donc, du coup, ils passent. Ils disent à chaque fois... Va jouer ailleurs, stupido. Sans savoir que... C'est pas très gentil de dire ça. Mais bon. Voilà, c'est des situations un peu... comme ça qu'on peut retrouver dans le film et qui est assez, c'est vraiment drôle. Ça a juste une petite touche d'humour bien placée, vraiment. Mm-hmm. Avec Lucas, on est très loin du film qui va nous retourner l'esprit ou qui va nous demander beaucoup de réflexion ou qui va nous donner un peu des leçons de morale. Vous voyez, genre, c'est pas un truc où on part dans tous les sens. Enfin, pas qu'on part dans tous les sens, mais qu'il y a des rebondissements à gogo. C'est vraiment un truc assez calme, assez doux, qui nous détend, qui nous fait passer un bon temps, qui nous fait passer du bon temps, qui nous fait rigoler, qui est super plaisant à voir en famille. Donc en soi, on est très loin des films du style comme Soul ou Coco. Là, en plus, c'est vrai que c'est du coup un nouveau film Pixar, et ça, enfin Pixar, elle nous a déjà sorti Soul du coup en fin d'année, et je pensais pas qu'elle allait nous sortir un autre film. Et quand j'ai vu genre Lucas, je tombe déjà genre aussi vite, mais au final c'est pas plus mal au final, parce que c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas un film où d'avoir des rebondissements toutes les 5 secondes. C'est vraiment un truc qui est très doux, vraiment un truc que tu regardes en été. Bah en fait, en plus on est dans le thème, parce que bah dans Lucas c'est en été, on est en été, même si quand je dis ça il y a même plus de soleil là, le soleil il est presque en train de partir, mais bon t'inquiète, l'été cette année c'est quelque chose, on va pas en parler non plus. On est vraiment sur un film assez sympa qui nous détend et qui à savourer. On est surtout sur une histoire d'amitié, voilà, avec quelques petits problèmes d'amis, un peu de jalousie et aussi un peu de tension du coup pour les personnages, parce que faut toujours qu'ils fassent attention à tous leurs gestes, à tout ce qu'ils font, parce qu'ils sont toujours en contact avec de l'eau en fait. Enfin, il y a toujours un peu d'eau partout, et même genre quand ils boivent de l'eau par exemple, faut pas qu'ils renversent l'eau sur eux. C'est peut-être des choses qui peuvent... Enfin, nous au quotidien on fait pas attention à ce genre de choses, mais pour eux, ben, faut faire attention, parce que sinon on va apprendre que c'est des créatures marines et faut pas que ça se sache. On a quand même avant tout beaucoup de joie et de rêve. C'est vrai qu'on a ces petites transitions, surtout du côté de Lucas, surtout parce que bah voilà, il apprend pas mal de choses et il est beaucoup, enfin il rêve beaucoup en fait. Je trouve, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui avaient vu la vidéo du coup de mon avis sur les Mitchell contre les machines, à ce moment-là, je disais qu'il y avait parfois des moments où il faisait des transitions un peu bizarres, enfin animées, mais des fois c'était too much. Et là, dans Lucas, c'est pas du tout too much. En fait, c'est super bien réalisé et on rêve en fait avec lui, tout simplement. Voilà, quand je pense par exemple à un moment où il se voit sur sa Vespa avec Alberto en train de littéralement faire le tour du monde. Ce genre de petits moments là, je trouve ça vraiment sympa et agréable aussi. Je trouve que c'est super bien fait et ouais, moi je kiffe. Donc en vrai, en soi, on est vraiment sur un personnage qui a soif d'aventure et qui va vraiment, il veut vraiment apprendre plein de choses et les découvrir. Et quand j'y pense, du coup ses parents, eux, ils voulaient absolument pas que Lucas aille
à la surface parce qu'ils avaient peur, c'est logique, ils avaient peur que leur enfant soit en danger ou qu'il se passe quoi que ce soit ou qu'il se fasse attraper. Enfin, surtout dans cette situation, c'est dangereux. Et lui, en fait, il voit pas vraiment le danger. Et à côté, on a la mamie qui, du coup, aide son petit-fils qui va jusqu'à mentir en disant que « Ah non, mais s'il n'était pas là, c'était parce que bah, je l'ai envoyé faire quelque chose ailleurs. C'est pour ça qu'il prend plus de temps à rentrer, etc. » Et du coup, elle le protège d'une certaine façon. Et elle l'encourage à aller à la surface parce qu'elle sait que c'est important qu'il découvre en fait ce monde-là. Et ouais, voilà. On comprend un peu pourquoi, vers la fin, on comprend un peu pourquoi la mamie l'a poussé à aller en haut. Enfin bref, je vais pas dire parce qu'on spoil pas. Mais ouais. 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 En soi, on a quand même un peu de naïveté, mais quand même beaucoup de courage. Parce que quand même, décider d'aller dans ce monde où, dans sa situation, le moindre faux pas et tu te fais attraper, ça fait flipper quand même, ça fait flipper. Mais au début, il n'était pas du tout rassuré, mais au fil du temps, t'inquiète. Tout que ça me tue, parce que comme si vous avez vu la bande-annonce, vous voyez qu'à un moment, il se retrouve dans une maison, du coup, en soi, il se retrouve dans la maison de Julia, et son père est pêcheur, et son père est chasseur de créatures marines. Non mais sérieux, c'est vraiment, mais what? Mais ils ont pas peur, enfin, c'est pas qu'ils ont pas peur, mais c'est qu'ils font attention, et même ça les ralentit pas du tout. Ils arrivent toujours à sortir de situations où on se pourrait se dire mais oh là là, c'est fini pour eux, ils vont se faire attraper. Ouais. Il y a aussi des moments qui sont un peu sad quand même. Hein. Non, il y a des moments qui sont un peu tristes aussi. C'est vrai que maintenant je me rends compte, il y a beaucoup de joie, mais il y a des petits moments qui sont un peu tristes. J'en ai deux en tête, mais je ne le dirai pas parce que sinon c'est du spoil. Mais ouais. Donc pour en finir avec Lucas, parce que je pense que en soi, j'ai pas non plus énormément de choses à dire sur le film, enfin si j'ai déjà dit la majorité de ce que je voulais dire. Ce que je trouve dommage dans ce film, c'est que on comprend pas pourquoi Lucas a ce pouvoir de prendre une forme humaine quand il sort de l'eau et quand il n'est pas mouillé en fait. Et je trouve dommage qu'on n'en dise pas plus sur ça. J'aurais peut-être aimé que Pixar nous en dise un peu plus et nous dise pourquoi il a cette faculté là. Je trouve ça, enfin c'est pas bizarre. Hein. C'est intéressant d'avoir fait un personnage comme ça, mais je pense que ça aurait été cool qu'ils nous disent pourquoi Lucas et Alberto et toutes les créatures marines peuvent se transformer en humains, enfin se transformer, prendre la forme humaine, prendre une forme humaine, mais peut-être que j'ai loupé quelque chose, peut-être qu'ils le disent dans le film, mais je pense pas parce que je l'ai vu deux fois et ils disaient rien. Faudrait que je me renseigne sur internet, mais je trouve dommage qu'ils le disent pas dans le film. Après, je pense que c'est un peu le seul point négatif que je pourrais trouver au film. J'aurais bien aimé qu'ils nous disent pourquoi. Moi, ça m'intrigue. Franchement, ça m'intrigue. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Ouais, c'est intriguant. C'est intriguant. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Il faut que mon ordinateur arrête de faire des reflets sur moi. Merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, enfin, merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez déjà vu Lucas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis sur ce film. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans le barre d'infos. Et sur ce, à la prochaine!